Et salut à tous, c'est Peter et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Endless Ocean et ça commence bien, j'ai déjà un message. J'espère que c'est pas pour une info à la noix. Un guide de plongée. Mais aussi je vous ferai tout explorer la forêt de corail, n'a pas souhaité fixer de jouer ou si dans la bonne semaine le jeu sera disponible. Ouais, bah, on verra ça un peu plus tard. Moi, la forêt de corail, je voudrais d'abord justement l'explorer. Parce que comme on nous l'a dit plus tard, putain, n'importe quoi. Dans l'épisode précédent, il y a un trésor là-bas et je veux aller voir ça. Alors, on va voir la carte qui était un peu complètement à l'opposé. J'espère aussi que j'aurai un moyen de changer de combinaison un peu parce que c'est pas joli ce que j'ai. C'est bien calme, dis donc. Là se trouve mon magnifique bateau. Oups, trop de touche. Bon, apparemment elle est pas sur le pont. Bon alors... J'en face, on va y aller en douche automatique. Bien plus, bien pratique ça par contre. Je crois que c'est une fonction qu'ils ont retirée dans le deuxième. Le deuxième je me suis amusé aussi mais... Bah, le 2 honnêtement est mon préféré par rapport à celui-là, mais celui-là est très bien aussi, il a de très bons arguments. Rôle de saphir. Je me demande d'où il se tient ce nom d'ailleurs. Passons à la pratique. Il y a un objet rare par ici, tu te souviens pas, monsieur Tolman t'en a parlé, tu peux pas aller vérifier. Vérifier je veux bien, mais comment et avec quoi, j'ai pas de... On dirait qu'il y a quelque chose sur cette planche. Approche-toi un peu plus près. What? Et putain. On va se passer, on va laisser tomber. Hop. Un peu bizarre des fois les... Médaille du dauphin, ok. Un objet rare. Ouais, on s'en blague. Encore ce dauphin?
Oula, tu as l'air de l'intéresser. Tu ne veux pas le toucher, tu devrais en profiter. Et la musique épique. Non, même pas. Il a dû avoir peur. On dirait qu'il est reparti vers le lagon. Quoi qu'il en soit, on remonte sur le piano. Tu veux qu'on aille au lagon? Ouais, je préfère y aller, y retourner tout de suite. Dauphin m'intrigue. Allez hop, nage automatique. Bon là, le jeu a l'air pas super parce que je suis sur émulateur, mais je vous assure que réellement, bon, je veux pas dire qu'il est excellent graphiquement. Il se fait largement dépasser. Enfin, le jeu, surtout les sur Wii, là, Wii est réputé pour pas avoir la HD, malheureusement. Mais honnêtement, ce jeu est magnifique, quoi. Ça, j'ai rien à dire. Oups. Pas appuyé sur la bonne touche. Alors, oui, allô? Bon bah tant pis, hein. Ce sera pour un peu plus tard. Ah, il est là. Oh, une remontable. Oh, il faut que je le laisse. On dirait qu'ils n'arrivent pas à sortir. Les dauphins utilisent des ultrasons pour savoir où ils sont et la position de leur corps. C'est pourquoi ils se perdent quand ils passent dans des endroits étroits comme ici. Ils finissent parfois échoués sur la plage. J'ai peur pour lui. Je peux essayer de l'aider? Ouais, pourquoi pas, mais avec quoi? D'abord, je voudrais voir la Raymanta. Oh, c'est Dory. On dirait qu'il te suit. Mène-le jusqu'à l'entrée de la forêt de cœur. Et merci, là, j'arrête pas de faire des allers-retours, en fait, là, depuis tout à l'heure. Hop, hop, hop. Bien joué, vous êtes sorti du lagon. On dirait bien que tu lui plais, il est assez démonstratif. Je peux continuer à observer les ovules quand on a assez remonté sur le plateau. Je vais remonter maintenant. Qu'est-ce qu'il va encore me dire, elle? Alors là, je dois avouer que je ne m'y attendais pas. C'est très rare qu'un dauphin sauvage se montre aussi affectueux avec un plongeur qu'il n'a jamais vu. Qui sait, hein? Tu sais, à Bauru, le dauphin est un animal sacré auquel les gens vouent un culte religieux. S'il veut devenir ton ami, tu vas devoir être toujours très aimable avec lui, sinon les habitants de l'île t'en voudront. Je crois qu'il est temps que je te donne ceci. Sifflet marin, c'est un sifflet marin, il sert à communiquer avec les animaux marins. Ces sifflets sont testés dans certains grands aquariums. Il émet des sons avec la même fréquence dans l'air que comme dans l'eau. Impressionnant ça, on s'en sert surtout pour les dauphins. Utilise-le quand tu veux.
Ramène-moi tout ce que tu peux. Pardon, ramène-moi tout ce que tu ramasseras au fond de l'eau. Je placerai les objets trouvés dans le coffre qui est là-bas. N'hésite pas à l'ouvrir et ainsi examiner son contenu. Tu pourras obtenir des informations sur les objets que tu as trouvés. Oh, nouveau message. Alors voyons voir un peu. J'aurai 2-3 infos sur cette médaille-là. Alors, d'ailleurs né d'un dauphin et de laurier porte l'inscription champion du 6e concours de drift. Là j'avoue que sur le coup je vois pas ce que c'est mais... Ah j'ai de la visite, j'ai pas fait gaffe. Juste voir ce que c'est ce message. Le hall de Saphir. Ok, donc c'est là qu'il faut que je reproduise le plus quoi. Où les requins dormeurs Nekosa, Mossaration Gorgon. Pourriez-vous apercevoir des œufs dans le secteur juste 5 de votre carte? Si vous en avez l'occasion, vous devriez y aller. Ouais. Mais malheureusement, je vais d'abord faire cette mission de guide. Juste aller voir là nos petits visiteurs. Pas les nourrir ici par contre, dommage. Manchot papou. Ok, pourquoi pas. Bon, je regrette, cet épisode est un peu court, là je vais devoir quitter maintenant parce que je préfère vous mettre la vidéo maintenant plutôt que dans la semaine prochaine parce que ce week-end je ne suis pas là malheureusement, hein, j'ai le droit d'avoir une vie, merci. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt, allez, salut.